Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce. La parole de Dieu nous prions. Bonne la question, pas de mélange. Your praise to God to speak to you. Lord, we surrender this time to you. Papa, nous sommes ici, mon maman, dans ma boucle, là, yo. Yes, ma si, à tout à l'heure, mais la vie, sur le point de yo, le micat, là, yo, là, yo. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ta parole. Tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera point. Seigneur, voici, nous sommes devant ta face pour écouter ta parole qui est la vie. Jésus-Christ est parlé à nous. Seigneur, parle à nous, Jésus. Voici, nous sommes devant ta face, Jésus. Tu as dit dans ta parole que celui qui a soif va venir aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez de moi, à Jésus. Voici, nous sommes devant toi, Jésus. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous vers le trône de la grâce. Être secouru, Seigneur. Voici devant ta face, Jésus. Mets ton trône et le trône de la grâce, Jésus. Parle à nous, Seigneur. Saint-Esprit, parle à nous, Jésus. Saint-Esprit, parle à nous, l'Esprit de Jésus. Demandons ta présence au milieu de nous, l'Esprit de grâce, l'Esprit de force, l'Esprit de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je me suis prié. Amen. Et sur les quatre bannières de la prière plutôt efficace. Et que le kaki, ton ekolaki, ton lobaki, ce n'est pas le bilan sans un résumé. Ah. Et qu'on soit en même temps 15 minutes. Et à résumé, on a parlé ici sur les sacerdoces royales. On a le bac qui est mis sur le prêtre. Le bac qui n'a pas de mais il y a un prêtre. Pourtant, il y a un souk qui n'a pas de l'aide. Nous avons un bac qui n'a pas de l'aide. Il y a un bac qui n'a pas de l'aide. Tandis que je suis un homme qui a été invité à ma titi. Et tout le monde qui a parlé, nous avons un prêtre. Nous avons un prêtre, un patriarche. Nous avons un prêtre. Nous avons un Job, nous avons un Noé, nous avons un Abraham, nous avons un même Adam. Plutôt, Caïn Abel. Nous avons un prêtre, nous avons un berger et nous avons un troupeau premier né. Et à Oufra, que mon panza, mais nous avons assez plein de mécaïa à peine pour la nuit parce que Atoya Saraki et Zaraki acte beaucoup prophétique pour nous avons fait la débit. Zambé à Sopaki Makila Yama, à Zouaki, Tosoya Yama, à Ombaki, à Salaki Moutou et Lamba. Nous avons fait mon ami prêtre, pour que le patriarche m'a dit prêtre, mais à part la santé du commune. Et comme il y a tribu, il y a Lévi, il y a un vendeur, il y a un bambou, il y a un prêtre, il y a un prêtre, il y a un Lévi, les descendants d'en haut, les bambous, il y a un droit, il y a un service, il y a un sacerdoce. Et après, dans le Nouveau Testament, comme on a Jésus-Christ, il y a un souverain sacrificateur. Et puis Jésus a un prêtre. Mais comme Jésus-Christ, où Fanaïe, Jésus a fait un Nicolo. À quel âge il a tabernacle, à quel âge il a prison, il y a un dame, papa. Tabernacle, c'est la même chose qu'on a battu. Mais tabernacle, où il a dit le colo, où il a dit invisible. Et Jésus, à côté qui qu'on a, Jésus, à quel âge il a maquillé dans les locaux pour avoir tout le monde. Alléluia. Et tout le monde qui te moutou, Dioso. La religion, Dioso. Il y a mon kilo, il y a assez. Et les locaux, ils ont passé toujours dans ma sacrifice. Ma sacrifice. Et pour ce qu'on ne pousse à la part ensemble, il faut y avoir un service, il y a un sacrifice qu'il y a plutôt qu'il y a un lien à ce qu'il y a, et la religion qui en sort. Mais tandis que dans le Nouveau Testament, Abdouana est symbolisé qui la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons soit dire qu'il y a pas ensemble, ce qu'il y a. Le service nous a dit qu'il y a une prière, il y a un service qui a prière, il y a un service. Il n'y a qu'à la présence en Zamé avec les noms, les sang de Jésus. Il y a un autre qui appelle sur une prière dans les Zamba et au Kiago pour y être envoyé qui pense à me, à soit qui le premier né, où ils ont symbolisé Jésus, à soit qui le plutôt Makila et Sopana qui ils ont symbolisé Makila à Yesu, puis dans le Zamba qui prière à Abel. Oui, comment Abel, nom de Kolaïe Kayen, est un des sorts qui a religion.
religion ta religion est la vraie religion et la Abel pour religion et ça il y a Caïn tandis que quand on Caïn quand on voit pas Nzambe a vu a foui a sorti ma tomate a sorti ma dessous a vu ma sango a vu l'oso a vu végétaux a y en a mon pas Nzambe à toi et à Salaki. Et ça qui acte beaucoup à malamo. Et ça qui acte beaucoup à religion beaucoup basée dans ma bien fait faire le bien de ça l'agneau. Il y a beaucoup de gens qui ont religion qui les a, par exemple la charité, par exemple la orphelinat, par exemple la réserve répondre. Mais et ça, sans l'agneau. Les vraies religions, ils font ça la religion pour y en a ni. Il y a appel, ou appel, il fait un yaki pas en mer, à yaki, dans les sangs, pour les autres symboliser. Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, les vraies religions, c'est écrit dans la malade, c'est écrit dans la route, dans la pompe, il y a Yensou, le roi de mon conti, c'est mon vie ici, on va tout reconnaître que Jésus-Christ est à ce pas qui m'a dit là, mais il faut que je sois un c'est-à-dire que ce qu'on dit dans la prière, il n'y a pas non pas avec le bienfait. Le bienfait sans le nom de Jésus, et là, rien. Le bienfait, il faut la baser avec la mort. Et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les deux religions étaient dans un problème. Donc, on a dit que la religion autobengue, il faut religion, il y a appel. La religion autobengue, religion, vraie religion, il y a appel. Vraie religion, il y a appel. Faux religion, il y a Caïn. Mais nous, on va dire que parce que depuis au commencement, Caïn, tant qu'à moi, il y a une prière, il y a des bonnes appels. À ce moment-là, à quel propos à Bobby de Konaï. C'est-à-dire, il y a quelque part dans la guerre, dans les sangs, il n'y a pas trop à Bobby. Et tandis que, Abel, Panaïe, à la guerre victime, il y a martyr. Alléluia. Et l'autre, c'est la vraie religion, elle a toujours combattu. L'église, il y a un dame et un solo. Bandico, il y a un dame et un solo. Parce que nous prions, dans mes cas, il y a un solo. Faux religion. Et que combattre Bango. Bandimo va prier à la solote. On va t'envoyer à la malamote. L'église est à la solote. Et que combattre Kaka le vrai. L'église fait à la nani. Autre bien l'église, il y a Abel. Vous comprenez? Si quand on n'a pas qui n'a vu ce souvenir de la malade, on a dit que tant que vous avez la présence dans l'ensemble, Jésus-Christ. Alors, il a mis son imité parce que Jésus a dit que c'est un très saint. Jésus-Christ a dit que c'est un bon mot, il a fait immaculé. Il n'y a pas l'homme. Quand vous pissez, vous pissez comme ça, pas sacrificateur. Je vous ai dit aussi, nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Mieux pour ça, sacrificateur. Parce que quand il a mis l'Apocalypse, ça va s'aligner. Les sacrificateurs, le royaume des sacrificateurs. La français courant par l'homme. Le prêtre du roi, c'est-à-dire nous, nous sommes des prêtres du roi. On a la besoin d'un intermédiaire de prendre la main à prière. Dans le Nouveau Testament, Zamba Koyo Kayon de Mozawa, la soumoye pas Zambé, Zamba Koyo Kanosangonayo. Parce que l'intermédiaire est Zaka à Jésus, on a dragué l'agneau de Dieu, on a sauvé qui m'a qu'il a naïe, pour qu'il soit nous à sauver. Nous devons soit pousser à la devant Zambé. Avec le nom de Jésus, avec le sang de Jésus, avec la résurrection, le nom de Jésus-Christ, c'est un bakoyo à l'ensemble de l'agneau. Pour y poser sacrificateur. Alléluia. Mais si on a dit que nous sommes sacrificateurs, sacrificateur, il faut en aberger, plutôt en abrévi. Au moment où nous Abraham, nous avons dit que nous avons adoré un homme. Ils avaient pas vu papa, tout le monde est mort, tout le monde est baconi. Mais l'agneau a ça. Oui, parce que quand on a un service, il y a sacerdoce, ou il y a ma prêtre, il faut tous avoir un agneau. C'est-à-dire, il y a un sacrificateur. Mais quand nous sommes dans la présence de l'âme, tu vois qu'il faut qu'on ait le nom de Jésus, avec le sang de Jésus, il faut t'attendre à la prière, la délivrance, la protection, la protection, la protection, la protection. On va t'attendre le nom de Jésus, on va t'attendre la croix de Jésus, on va t'attendre la résurrection de Jésus, on va t'attendre ma cabo, on va t'attendre la yango. Tout ma soupe, t'attendre le nom de Jésus pour ma soupe de l'Ivisama. Sauf que les saints, t'attendre la délivrance, ça se trouve seulement au nom de la croix, au nom de la résurrection de qui? On va dans un monde. Là, on va commencer à faire le côté comme dans un monde. Le monde. Le monde.
Alléluia. David, quand tu viens devant Dieu, viens avec le nom de Jésus. Pour qu'il y ait la vie. Et à part ça, dans le bas qui dit sous-sous, ça me l'a dit, Jésus, à le bas qui, j'ai donné ma vie moi-même. Naïmoko, j'ai le pouvoir de retirer, j'ai le pouvoir de donner. Mais moi-même, Jésus, je viens à donner ma vie. C'est-à-dire, le Seigneur te demande, toi, comme tu es sacrificateur, tu prends la décision toi-même à donner ta vie. Tu peux même le retirer, tu peux même le refuser. Mais le Seigneur de Jésus, lui-même, il avait donné sa vie. Mais ma soeur, mon frère, le Seigneur te dit jusqu'à maintenant, donne ta vie en lui. Alléluia. Tout le monde a mémoire à bien. Et ça, ma campagne a été acquis. Dans le livre, nous sommes en train de vivre sur la vie. Toi, il y a dans la présence en armée, où front sans cesse de prières, par la même action de grâce, la bienveillance, tout ça. Alléluia. Bah, on va dans la mémoire à bien. Toi, il y a des qui rédimés. Il y a mes colons qui ont été acquis. Il y a ma campagne qui a été collée. Rapidement, pour tout bandage, enseignement à la vie, je vais parler des quatre manières efficaces. Quand on parle de manière, c'est-à-dire pour tout délire. Pour tout délire, c'est efficace pour la mondimie. Oyo, tant que vous êtes en présence ensemble, ma campagne, vous êtes en salaka. Alléluia. Tant que vous êtes en prière, tant que vous êtes en prière, c'est intéressant. Et le mot est très important. Quand vous voyez, vendredi, Nicolas, on a parlé sur l'étude de la grâce. Alléluia. Ces derniers temps, je pense, Nathalie, il a dit trois vendredis, il a dit partout, le trône de la grâce. Dans le trône de la grâce est Zawabi. Trône de la grâce est Zawabi. Dans le cas du trône de la grâce est invisible. Trône de la grâce, tu peux même entrer dans la présence de Dieu partout où tu es. Tu peux même entrer dans le contact avec Dieu partout. Dans l'acte des apôtres, par exemple, Zawabi, ça nous suit quand la vie sautée. Mais Zawabi, tout le cahier, faisons quoi à ta présence? Ça dit, Dieu n'est pas loin de nous. Mais le Seigneur veut que nous les cherchons à ta présence. Bien sûr, à ma première naïo, tant que ça va veiller, tant que ça va réprimer, tant que ça va gêner, et ça par hasard que nous faisons cela à t'attendant à chercher Dieu, tandis que Dieu peut offrir des gros. Dans le maquis, trop il y a un temps, les gens invisibles. Et ça invisible. Dans le maquis, partout, tu peux même entrer dans la contact avec Dieu. Dans le maquis, la maquis, c'est la Bible, même Jonas, à ce moment-là, il a dit pour moi, Messie. Mais la Limouma Missi, à peine la guise, à peine la Limouma Missi, dans la Salakini, à Yokaki. À quand la Salakini a désert, la désert, à peine la guise, à peine la désert, dans la Salakini, à Yokaki. La parlaki, la Lobaki de Soussou, Nani de Soussou, la Lobaki va la révéler, la mouille va la Salakini crucifiée, même sur la croix, tant va reconnaître ma belle aïe, tant est liée sous Jésus, la Lobaki aujourd'hui, qui sera avec moi dans le paradis. C'est-à-dire la personne. Pour la seule maladie, si on allait la cimenter, tout le monde est là à tout dernier. C'est-à-dire, je vais prier même en dormant, je vais prier même en commission, en voiture, je vais même prier dans mon travail, je prie, je vais même prier partout. Dans la maladie, si on a l'accès qui va nous soucier, nous sommes dans la carte d'église. Il va tout dire par les paroles sans béla. Beaucoup prier, nous avons dit, on va dire, on va dire, beaucoup de gens qui ont été dans l'église. La terre, la femme qui avait la peur de les enfants pendant 12 ans, dans le Zamba Sibakié. Et la parole qui n'a plus chaud. Dans le Baki. Même dans le temple, dans l'acte des apôtres, dans le livre de Pierre, parce que dans l'église, dans le livre de Pierre, dans le livre de Pierre, Pierre a dernier. Dans le livre de Pierre, 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 et là, il y a une bande. Mais la bande, il y a une bande qui est la trône de la grâce. Alléluia. Dans le bâti, il y a une bande. Quand on a mis les sangs au couvre, ou à telle la vie, à telle la vie. Seulement dans la ville, il a fait une prière efficace. Dans la ville, la main, il y a une prière. C'est la vie qui a fait une prière. Malheureusement, à côté de la contact, à côté de la trône de la grâce. Alléluia. Dans la ville, si tu es disposé, tu peux même entrer dans la présence de Dieu partout. Où tu es. Et même Paul et Silas sont dans la prison. Mais la prison pour là, la cause qui m'a mort dans la prison. La cause qui m'a mort dans la présence dans la vie. La présence de Dieu, tu peux entrer partout. Là où tu es, partout. Tu peux même entrer dans la présence de
Dieu. Alléluia. Amen. Présence ensemble. Et dans la tête de Matthieu, à Kenara, Jérusalem. Jésus a dit c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine a dit Jésus. Dans Jean chapitre 4, la verset 23, 24, 25, la femme samaritaine elle a dit à Jésus que nos pères nous ont enseigné que donc vous adorez la montagne. Et vous les juifs, vous disiez en Jérusalem. C'est-à-dire les juifs, même jusqu'à maintenant les juifs, parce qu'il y a Jérusalem pour adorer pour le bazar. Mais je ne sais pas si ça va être dit, papa l'a dit que par exemple la femme va dans la montagne. La vie, même la montagne, tu peux aller chercher Dieu. Nous avons beaucoup de travail. Même dans ta chambre, même dans la chambre, si vous priez, entrez dans ta chambre, ferme la porte. Ton père qui est dans les lieux, c'est que c'est-à-dire. Partout où tu es, tu peux même entrer dans la présence de qui? Et Jésus, les vrais adorateurs adoreront les prêtres en esprit et en vérité. En vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père aimant. Ça veut dire, Dieu veut que nous soyons parmi les adorateurs, les vrais adorateurs. La ligne dans la tête qui prend dans la chapelle, pour nous avoir la prière, maman. Là, dans la mafouta, pour nous avoir la prière, maman. Alléluia. Amen. D'accord, ça, le service avec lui. Poussé par le Saint-Esprit, je vais faire mon service avec lui. Poussé par le Saint-Esprit, d'accord, dans ma tour, la lettre de ma main, ma prêtre, et ça peut m'arrêter. Je peux faire le service, la lettre de croix, et ça peut m'arrêter. Mais si, et comme il est conditionné, voilà les gommes. Je peux faire cela par le Saint-Esprit, mais être la conditionnée, c'est qu'il faut caca. Il n'y a qu'à vous, non. Alléluia. Nous avons besoin de prier dans la vie partout. Au moment de la chair, nous sommes dans la prison. Dans la main de la prison, Jésus il s'est levé le matin. Marc chapitre 1, verset 35, il s'est levé le matin pour aller dans le désert pour prier. C'était dans le désert. Jésus n'a pas prié dans l'homme, mais dans le désert. Le désert n'est pas possible. Et on va nous faire des manguées. Avant de m'attendre dans la montagne, poussé par le Saint-Esprit au pays, la jeune, mon conseil, il y a combien? La jeune, il y a 40 jours. La jeune, il y a 50 jours. La vie, nous allons parler sur la prière. Quand on a fait la domaine à Jésus, quand on a caché des actes très importants, quand on a sa propre conséquence, on peut, comment on peut gérer les gènes. Alléluia. Nous allons parler à cette dernière sur la prière. La vie, la commune, qu'on compte à la présence en temps, mais partout, place, il y a ça. Ce qui est à la main disposée, je peux entrer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, il y a un peu. Mais dans le cas qui est sur la vie, il y a que de ton matin, oui. Par la grâce de Dieu, je vais tout déterminer cela aujourd'hui. Les quatre bannières les plus efficaces que Dieu nous a données sont la louange, l'action de grâce, la confession et la proclamation. C'est-à-dire, ce sont des armes pour délire, pour délire. Un soldat, la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, nous avons aussi nos armes. C'est-à-dire, en tant qu'un enfant de Dieu, aujourd'hui j'enseigne les quatre armes, les quatre bannières efficaces pour un enfant de Dieu. Quand tu pries, quand tu es dans la présence de Dieu, viens avec ces quatre armes. La louange, les actions de grâce, et quoi? La confession, et quoi? Il y a un autre qu'on a envoyé quoi. Hébreux chapitre 4, verset 16. Et vous voyez, celui qui a besoin de lecture, vous faisiez la lecture pour moi. Vous faites ces choses-là, vous devez avoir tout compliqué après. Je vais continuer. Rapidement, Hébreux chapitre 4, verset 16. Vous can read on the book of Hebrews 4:16. But I like someone who reading for me is better to read. Et pour qu'on a tué A, parce qu'elle a choisi la version sous ce selon, après on a la version sous ce selon différent. Si ça m'a dit, tant qu'on a tué A, nous sommes en service. Tant qu'on a service, parce que la version a sélectionné, nous sommes dans la pensée courante, nous sommes dans la vie, nous sommes dans la tombe, nous sommes dans la salle, et si c'est la version, parce que la version, on a la volume, peut-être autant là, et qu'on a là, il y a moté. Pourtant, mais,
balobeli langage mosusu balobeli germe mosusu parce que bible la bible est dans la façon na ngo balobeli balobeli hébreu chapitre 4 verset 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Où est maintenant le trône de la grâce? Point d'interrogation. C'est partout. C'est invisible. Le trône, approchons-nous vers le trône de la grâce. Où se trouve cet trône de la grâce? C'est un trône invisible. Je n'ai pas besoin de voir cela, c'est invisible. Le trône de Dieu, c'est invisible. Même la Bible nous dit que quand Jésus était entré dans les tabernacles spirituels, les tabernacles où il s'en va, le trône de la grâce, le trône de la grâce, c'est un trône invisible. La Bible nous dit, approchons-nous vers ce trône. Comment maintenant je peux s'approcher vers ce trône-là, le trône de la grâce? Mais il n'y a pas pour ça là. Et pas une ensemble, la trône aux hommes. La Bible nous parle, dans le livre, dans l'ancien testament, on a parlé dans la trône. Par la Bible, tu robes, il y a trône, il y a un zambé, et ce n'est pas le temple, mon bimba. Là, on va pas dire la trône. Mais maintenant, comment je peux entrer maintenant vers le trône de la grâce? Jamais le monde n'a vécu. Approchons-nous vers le trône. Ma sœur, approchons-nous. Pour ça, nous allons nous inviter. Le Seigneur t'invite. Le Seigneur m'invite et s'approcher vers son trône. Il y a un moment dans Hébreu 13, verset 15, on lui parle à lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oublie pas la bienveillance et la libéralité, car à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, quand nous approchons vers le trône de la grâce, la Bible nous dit, offrons sans cesse. Offrons sans cesse quoi? Les sacrifices de quoi? Hein? Quand je viens devant Dieu, quand je viens devant le trône de la grâce, approche-toi avec des louanges. Je m'approche vers mon Dieu avec quoi? Quand nous avons pour ça, mais le trône est en le trône est en dame, c'est invisible. Et là partout, la cause de la partout, pour la zone de la Timothée, à l'église de la Pignon, c'est pas bon de là, physique fagnoso. Et mais quand je rentre maintenant, dans la contact avec Dieu, quand je m'approche vers ce trône, c'est le trône de la grâce, le Seigneur me fait m'approcher vers le trône de la grâce. D'ailleurs, la vanille, la louange. Et après les louanges, c'est pour laquelle vous connaissez les cas qui est. Alors, les louanges, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent. Hein? Les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et comme vous avez appelé, témoignage, on a passé une potion à eux. On a dit, mais. Et quand vous avez appelé prédication, les nazos qui sont là, vous avez compris Jésus. C'est-à-dire, les nazos qui sont là. C'est-à-dire, les choses. Que tu parles, le fruit de tes lèvres, mais ceux qui confessent le nom de qui c'est Jésus. C'est-à-dire quand je m'approche dans ma prière, dans la présence de Dieu, dans la contact avec Dieu, le Seigneur veut que je confesse. Il y a des choses que le Seigneur me demande de confesser, de dire. Alléluia. Et dans le bac, la mise la bienveillance, la libéralité, car ce sont là les tels sacrifices que Dieu. Prends plaisir, il y a mon nez et là, ma sacrifice. Aux hommes, ma joie, il y a. La puissance, pas en matière, n'est pas de la puissance. La puissance, moi, la sens. Verset 1. Puissance de louange. Poussez-vous l'éternel et crie de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Il y a des âmes, maman, il y a des maman, il y a des développements. Entrez dans ses portes avec quoi? Des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom.
car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ces portes. Quand l'homme dit, quand il entre, parce qu'il faut que vous compreniez, dans la présence de Dieu, dans les tabernacles, les temples, les temples, et si quand on entend la vie, on a au même moment une impression. Les tabernacles étaient divisés en trois. Les bas-vides, les lieux saints et les lieux très saints. C'est-à-dire quand je rentre dans la présence de Dieu, quand je rentre dans les temples, automatiquement, au début, je suis au parvis. Ceux qui nous ont continué, je vais maintenant entrer dans la deuxième partie des lieux saints. Et là où Dieu était, et c'est comme un sacrifice, et c'est comme un mané comme ça, on a un lieu très saint. Mais maintenant, nous avons lié à la présence de entrer dans ses portes avec des louanges. C'est-à-dire quand je rentre dans la présence de Dieu, le Seigneur veut que je rentre avec des louanges. Tu vois, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un prédicateur, plutôt, un prêtre, un prêtre royal, quand je rentre dans les sacerdoces divines, le Seigneur, quand je rentre dans le trône de la grâce, le Seigneur veut qu'en entrant dans le trône de la grâce, dans la présence de Dieu, il faut que je commence à louer mon Dieu. Il y a un moment donné, la santé courant, on s'est fait une amour. Si ça s'attaque à la santé courant, on va venir. Puissance, un sacrifice de reconnaissance, on va venir. Chant pour un sacrifice de reconnaissance, gens du monde entier, faites une vocation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec un cri de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le, dans la cour intérieure, exprimez vos louanges, louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon. Et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il nous reste fidèle. Nous allons aller dans la ville à quatre, entrant dans son temple. Quand on se porte à la temple, là, la trône de la grâce, parmi les gens, va changer. On va se faire une version différente. Parmi les gens, on va entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Mais entre, on va changer. Parmi entrant dans son temple, en faisant quoi? En s'acclamant. C'est-à-dire quand je rentre dans la présence de Dieu, la Bible nous parle de mes ici en français pour avoir dit tomber ta camapo. Parce que nous sommes tous les gens qui ont fait la table de ma peau. Il y a des gens qui ont fait la table de ma peau. Il y a des gens qui ont fait la table de ma peau. Il y a des gens qui ont fait la table de ma peau. Alléluia. Entrez dans son temple. Acclamez-le. Dans le cour intérieur, exprimez vos louanges. Après les louanges, va venir. Louez le Seigneur. Remerciez-le d'être votre. On va dire le remerciement des conscients. On a passé le remerciement. Tu vois maintenant, quand nous entrons dans la présence de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, viens en louant Dieu et en remerciant Dieu. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Si tu es en vie, tu peux remercier Dieu. Amen. Parce que tu es en vie. Alléluia. Si tu parles, si tu es ayouké, si tu es marié, si vous avez des enfants, si c'est ça des choses à remercier Dieu. Quand nous entrons dans sa présence, le Seigneur a fait que tu dis quelque chose quand tu loues Dieu. Et il faut aussi apprendre à faire quoi? À remercier ton Dieu. Ah. Amen. Amen. Tu vas dire la louange. Si je comprends bien, les actions de grâce et la louange nous donnent un accès direct à Dieu. C'est-à-dire la louange et les actions de grâce. Actions de grâce, c'est nous qui allons remercier. Qu'on remercie les hommes, pas Monsieur Moussala. Qu'on remercie les hommes, pas Monsieur Obama. Qu'on remercie les hommes, pas Monsieur Libala. Qu'on remercie les hommes. Monsieur souffre de lui, qu'on remercie les hommes. Pas Monsieur Santé Oyo, qu'on remercie les hommes. Pour la bouche sur la porte, qu'on remercie les hommes.
de Dieu. Et quand nous entrons dans la présence de Dieu, les esprits veulent que nous entrons dans sa présence à louer Dieu et à remercier Dieu. Tu vois, quand tu rentres dans la prière, aïe, parmi, bien que les actions de grâce et la louange soient étroitement apparentées, et on perd le discerner les deux. C'est-à-dire, quand on voit la louange, action de grâce, et ça, le mot là est au Kokana, et ça, la différence. Action de grâce, là, les louanges, et ça, il y a au Kokana, mais ça, la différence. En bref, nous remercions Dieu pour ce qu'il fait. Nous remercions Dieu de ce qu'il fait. C'est-à-dire, on a la sali. A sali pour la yo. T'as la gambe. La combien la famille, on a combien. T'as la vie, on a la mort. Par rapport à Batumoussous. T'as la position, on a la mort. Par rapport à Batumoussous. Est-ce qu'il y a beaucoup de remercier la mettre? C'est que Dieu lui fait dans ta vie. C'est que le Seigneur fait sur tes enfants. C'est ça les choses à remercier Dieu. Quand nous prenons dans sa présence, nous voyons Dieu et apprenons à remercier Dieu. Et en faisant cela, automatiquement, we go. In the presence of God. If you do it enough, you go straight away in the presence of God. When you come in the presence of God, God will lead you to worship. Louange, mes amis. Worship. Praise. À tous ceux qui ont besoin de worship et à la praise. Worship is adoration. Praise, I think. Praise. Comment action de grâce? Se penche, hein. En plein, nous remercions Dieu pour ce qu'il fait. Nous le louons pour ce qu'il est. De ce qu'il est. Même Yaza. Nous le remercions de ce qu'il fait en nous. Particulièrement, ce que Dieu fait en nous. Mais nous le louons de ce qu'il est. Parce que le papa est parti. Alléluia. Amen. Papa y a libala yo kumbama yo, papa yo kumbama. El hombre papá y a kumbama yo, papá yo kumbama. Papá y a libala yo kumbama yo, lesi yo kumbama. Yeah.
Aleluya.
Alléluia. Mais jusqu'ici, il m'a secouru. Même si je passe dans les moments difficiles, il m'a secouru. Car il y a un passé dans la vie, il y a un jour où tu te là, qu'on s'est soulagé dans la présence de sa vie. Il y a un jour où tu te soucié, quand tu te soucié, il y a un jour où tu te l'animal. Chez nous, 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 nous,
Alors, la louange devait être offerte proportionnellement à la personne de Dieu. Il est grand en sagesse, en puissance, dans ses œuvres créatrices, dans ses actes rédempteurs, dans la manière dont il traite avec nous. C'est le cas où nous venons dans sa présence. Tant que nous battons les messieurs de l'armée, Jésus, Satan a dit que nous les louons pour les
encore. Apprends à louer ton Dieu. Si tu veux le miracle de Dieu, ma soeur, mon frère, ma vie la mise au Awa avant l'accomplissement. Apprends d'abord à remercier Dieu, à louer ton Dieu. Pendant que louer Nzambe, na makambo mususu, ozoli na ndamba salela yo. Pendant d'abord que louer, Paul et Silas quand ils fermaient, quand ils avaient promesse de mer. Papa dit qu'on priait, qu'on louait Dieu. Et tout à coup, tu as vraiment des pères et salamandis. Vous n'avez pas tentative. Intervention divine, il y a ange. Sans faire que l'ange a libéré Bango. Ma sœur, mon frère, a toujours mon efficacité à louange. La zone va m'en aller dans les anges, on va armer à yo. Quand tu entres dans la présence de Dieu, apprends à louer ton Dieu. Alléluia. Tangé là, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Amen. Oui. D'accord avec le peuple, ignorant le chambre qui revêtit d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel et disait, louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et de Moab, assez de la montagne des Cires, qui était venu contre Judas. Et ils furent battus. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre l'air des bruits. Ils trouvèrent parmi le cadavre d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du bidon, car ils étaient considérables. Thank you, sister. La verse est venue par le bureau au moment où ils ont commencé à faire quoi? Les chants et les louanges, l'Éternel passe à quoi? You see? Quand on m'a dit qu'il va, ah, c'est pour ça qu'il y a une histoire pour l'Israël, il va s'attaquer. C'est quoi, Josaphat, il est dans la guerre. Avant que les Israéliens soient impuissants pour armer, moi, il y a une armée, il y a une armée beaucoup insuffisante pour combattre ma peuple, pour que vous vous disiez ça. Ma côté qui m'a gêné, sous mon avis, ma côté qui m'a gêné, à l'outil de l'armée, ça m'a dit qu'il y a une armée, ça va pas mater. Nous sommes dans la peuple, d'ailleurs, pour qu'il y ait une tour maouane. Il y a un moment où il y a un candidat dans la peuple, ma bani koye, ma zui, ma zé, mon kaka, ma bani ko loue l'Éternel. Tout à coup, on dit, ah, on va loue l'Éternel, ça, mais je pense à l'inini, à tchèque en miscade. Donc, tant que nous loue l'Éternel, ça va au tchèque en miscade, hein. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il y a un erreur qui a fait la vie. Quand Jésus, il faut faire la vie dans Jésus. Jésus qui va en Égypte. Il y a un qui est rapide. Il y a un erreur qui est rapide pour la vie. Il y a un erreur qui est rapide pour la vie. Il y a un immigration qui a fait des dossiers dans la vie et nous sommes en Ukanda. Mais quand il prend le monde éternel, jamais il est capable de faire la vie. C'est-à-dire au moment où Israël chantait, louait l'Éternel, tout à coup, on a dit à Israël. C'est-à-dire que après la louer ton Dieu, dans ma circonstance, c'est de louer ta mère. Dans ma tête, il y a un côté de ma ange à Israël quelque part. Pourquoi libérer? Vous devez bloquer le dossier, vous devez bloquer la vie, vous devez combattre. Quand tu prends à louer ton Dieu, Dieu est capable d'envoyer une embuscade pour te prendre à l'attendre. Et tout à coup, on lui dit embuscade, va te faire beaucoup de choses. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un peuple de Dieu,
apprends à louer pour Dieu. Quand tu rentres dans sa présence, apprends à louer ton Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un soupir. Et là, on va mêler action de grâce. Peut-être pour continuer à vous vendre des prières. Toya, maintenant, vous êtes puissante. Que les dieux vous sauvent. Pour la condiment de la vie à travers la louange. Quand nous venons dans la présence de Dieu, viens à louer ton Dieu.